Comme anesthésiante est appliquée 2 heures avant le geste, elle doit être appliquée sur une peau nettoyée et démaquillée. Alors vous avez deux possibilités, ou bien vous l'appliquez vous-même à domicile, ou bien nous l'appliquons pour vous au centre laser. Il n'y a pas de contre-indication pour Ultera. Ultera peut être utilisé sur tout type de peau. Par contre, je déconseille d'envisager ce traitement en cas d'autres douleurs physiques. Encore une dernière. Et on est à 25. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le traitement ? Une douleur plutôt intense pendant toute la durée de la séance, mais j'ai envie de dire qu'il faut passer par là pour avoir la garantie du résultat. Et quelles ont été les suites, les jours suivant l'acte ? Alors, il y a l'œdème qui est apparu dès le lendemain de l'intervention. Qui a été visible, on va dire, pour l'extérieur pendant les 3 premiers jours. Et une sensibilité un peu accrue au niveau du pourtour ici du visage, de la mâchoire, au toucher. Que pensez-vous du résultat ? Je suis très satisfaite parce que les résultats sont visibles dès 1 mois. J'ai vu très clairement un affinement du dessous du menton, également un effet tenseur au niveau des bas-joues. Et je suis d'autant plus satisfaite qu'il s'agit quand même d'une intervention extrêmement légère par rapport à un vrai lifting. C'est une anesthésie locale avec honnêtement très peu d'effets secondaires suite à l'intervention.